Dans la famille Lavalas comme ça, il y a des gens qui disent que la famille Lavalas est au bord de l'éclatement. Depuis quelque temps, Gérald Gilles Fonticampo. Non, M. Brun est très plus, ça. Yvan, oui, mais M. très jeune, et M. Fonticampo pour l'autre raison. Yvan Feuillet dit pourquoi on est clair, alors que Torchon actuellement a brûlé. Ça, Yvan Feuillet. Et bon, M. dit pas est clair. Il va régler qui ça. Actuellement, femme disons que le torchon brûle entre Maryse Narcisse et Chilère Louis d'Or. Alors ça qui passe, c'est base parti, un militant, un petit genre désapprouvé Maryse Narcisse, il n'y a pas trop. Il y a un doute sur le leadership, capacité leadership Maryse Narcisse. Oui, mais ça va passer. Oui, 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 exactement. Il donc, il y a 6000 pas qu'à mener un bac parti. Donc, relation monac monli pas trop cordiale, selon. Non, mais c'est les chefs là de choisir. Oui, exactement. Donc, militants semblaient à plus d'avis que Chilea Louis d'Or prend direction. Ah bon? Famille Lavalas. Bon, en tout cas. C'est Jean-Bertrand Aristide. Oui, Jean-Bertrand Aristide qui va le décider. Oui, donc, il y a un malaise. C'est lui le représentant national à vie. Et c'est ça, chaque parti à prévoir. Donc, c'est chaque la clé. Il y a deux gens pour l'autre monde. Peut-être famille Lavalas, c'est si le représentant national l'a mouillé ou bien s'il démissionné. Ça veut dire qu'il a avis. Et Mbanko l'a démissionné. Donc Mbanko est toujours un risque de mourir demain. Bon, pas souhaiter ça, tu ne souhaites que nous vivre longtemps. Mais c'est le cas. En tout cas, le problème, ça a été posé dans la période d'élection. Nous sommes ça, nous avons dit, estimé docteur Nancy Sman qui a atterri pour le Tétanique candidat à la présidence et qui n'a pas fait un gros score dans la dernière élection. Famille Lavalas, justement, qui en perte de vitesse, qui a un peu de problème. Jean-Bertrand Aristide de représenter ici en Haïti. Moi, je pense que ça doit servir exemple pour tout le monde qui est politique ou dans le secteur. Et il me dit ça. Rien n'est jamais totalement acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Le génie n'a qu'un siècle. C'est comme une loi de la nature. C'est ça, on a faible, je dis, même ça qu'il faut faible. En 2000, on est fort. Quand ça tourne, on passe au fort, puissant, ou tout son vlé pour être demain, ou vous très faible. Alors, d'après moi, même Jean-Bertrand ici a toujours été fort dans l'opinion publique, sauf que les BC. Dans les BC, les plus symboliques, je dis, les plus symboliques, en termes d'implication dans la vie politique, capacité de convocation. Parce qu'il fut un temps, Jean-Bertrand ici a dit que je dois être sous Péguy, Péguy député, Péguy sénateur, etc. Péguy magistrat, alors, pour exemple. Pour exemple, sur l'hôpital. Moi-même, tout dit, mais comment elle dit, tellement, son façon de mode, tellement, c'était fort. Oui, c'est Jean-Bertrand ici a dit que je levé couille, mon levé couille, c'est l'offre une couille, on va me découvrir. Tellement, et ça fait un pile, mon quoi. Moi, c'est un nade, c'est un homme qui croit que monsieur te gagne possibilité, occasion pour te faire payer ça à découvrir. Et puis, le monde découvre ça. Nous sommes à la faveur des élections du 16 décembre 1990. Jean-Bertrand a essayé d'accéder au pouvoir le 7 février 1991. Tout le monde, avant 7 février 1991, tout le monde a nettoyé tout partout. Mais quel a été le message? C'est pas l'argent, c'est volonté. C'est pas l'argent, c'est volonté. Vous ne faites quoi que prendre bon bagage qui fait? Depuis 90, pas de président, pas de président qui a fait ça tout. Ça veut dire qu'il a parlé et puis tout le monde décide de collaborer pour te coller pour mon nettoyage, etc. Ça veut dire absolument. C'était le messie à l'époque, tout le monde est senti. Bon, malheureusement, M. Bat gagne dimension pour le dégain, pour te saisir aux revendications, pour te réconcilier tout le secteur, pour te sortir un grand homme, pour te faire que classe moyenne n'a toujours pas les ajouter à t'exister, malheureusement. Je vais travailler ici de passer à côté. Alors, fan du tout, mon secteur rétrograde qui était en face de Jean-Bertrand Aristide, qui était gagné le secteur privé des affaires et la classe économique pratiquement, qui quand même partait par Jean-Bertrand Aristide tant auprès que, après 7 mois de mandat, il a été renversé par un putsch militaire avec les conséquences que l'on sait en termes d'assassinat politique, etc. etc. Donc, oui, mais le c'est où chef là, c'est où qui doit agir pour empêcher que ça arrive. François Duvalier, c'était pratiquement presque le même contexte là. Il était prêt à regarder et écrire sous pouvoir avec popularité. Non, mais pour d'état, je ne peux pas te empêcher. Non, il était empêché. Comment t'as fait? Il était empêché. Avec stratégie, il t'a mené comme chef, puisque ça pouvait te faire le pas de faire. Non,
coup d'état. Et peut-être ou capable son coup d'état militaire fort. Non, de l'âme de votre. Non, m'explique. Par exemple, vous êtes président dans un contexte côté que c'est l'armée qui est tout puissant, bail pouvoir retirer pouvoir, c'est l'église qui est tout puissant, c'est le règne de l'impérialisme américain à outrance qu'on t'a dénoncé comme jeune paix. L'envie qu'on y a au pouvoir, faut très intelligent pour jouer entre toutes forces ça yo à travers popularité pour gagner pour prendre fait équilibre. Mais là par exemple depuis premier jour mandat là, premier jour mandat là prêté serment, c'est l'armée ou attaquer, c'est l'armée ou attaquer général la crête qui gagne l'âge pour retraite ou passer monsieur dans tête gagner ou humilier. Non, ça pas justifié coup d'état. Non, il justifie justement ça négale les amis qui ne ça pas faire. Pas justifié. Mais pas mais c'est militaire les pays c'est ça l'habitude faire. Immédiatement attaquer ou mettre là il pas confortable secteur privé derrière, mais c'est sûr c'est coup d'état l'a fait. Il y a mon qui dit j'ai fait trop tôt. Analyse ou sociologiquement moi appuyé. Sauf que moi dit que comportement Jean-Bertrand Aristide qui était apparemment attitude pour gagner apparemment je mettre en confiance. Faut mettre cette manque de maturité politique. Et ben c'est ça me drôle. Et mais non, si on prend trajectoire Jean-Bertrand Aristide, trajectoire Jean-Bertrand Aristide, Saint-Jean Bosco, théologie de la libération etc. et donc c'était quand même un discours de gauche ou bien apparemment de gauche, un discours d'émancipation des masses, c'est un discours d'émancipation des masses, un discours bon une question Rochenant de l'eau ici comme les Rochenant soleil etc. discours sans population absolument absolument, mais ça pas veut dire que ça a justifié un coup d'état sanglant qui cause tout citoyen ça. Non, c'est pas justifié, c'est comprendre le contexte qui t'est mené à lui même. Non, parce que le seul chef qui a dirigé dans le pays de Haïti, son président a pile pouvoir, a pile bagaille qu'a fait. Maintenant, c'est pour apaiser les tensions, c'est pour mettre mon en confiance, c'est pour chercher des alliés, c'est pour permettre que la société a levé tête aux gens. Mais là, c'est où même comme président qui a fait attaque. L'ordinaire Washington de l'Oval Vendou le Washington Soleil, c'est pas discours à ça. C'est pas discours à ça. Au contraire, c'est Washington Soleil qui pour qu'on nous tire cher Washington de l'eau. Mais ça, pour convaincre le secteur privé, non, je sais vrai, monsieur Nguyen, on a fait comme. Mais il faut créer un emploi, il faut fonctionner l'autre gens, il faut investissement, il faut peuple à venir travailler. C'est ça que tu as discours. Il faut te rassurer. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement, nous avons tout ça qui est passé. Oui, justement, tout ça, je suis d'accord, sauf que m'a obligé de retourner dire encore que ça n'a pas qu'à justifier coup d'état sanglant, côté l'armée, assassiner tout le monde, etc. Et pour un pays en otage pendant tout le temps ça. Mais c'est certain que Jean-Bertrand Aristide te fait montre dans immaturité politique et fait montre dans immaturité politique qui te prêtait le flanc à type de comportement ça.